veux. Un image agréable, hein. On ne peut pas dire. Ça mord un peu peut-être. Super aromatique, hein. Alors j'aime bien, parce que je pense que, encore une fois, mon bourrage, il est à moitié réussi. J'ai trop tassé à mon avis. Un peu trop, hein, parce que ça passe, hein, l'air passe, il n'y a pas de souci, mais ça mord un petit peu, hein, si on insiste, hein, quand même. Hein. Mais c'est bien, hein. On a bien les arômes dans la fumée, tout au moins déjà. Bon. Alors, c'est vrai qu'en général, je commence par ce que j'en pense à froid. Vous voyez, c'est un beau tabac quand même, assez foncé. Un peu comme l'autre dans ce club que j'avais fumé. Hein. À froid, on a une odeur. À froid, je dis bien. On a une odeur de. On a une odeur fruitée, gourmande, sucrée, caramélisée, faut le dire. C'est vrai, faut le dire. Vous avez vu en générique tous les arômes qu'il y a là-dedans. Après, je ne saurais pas dire où est l'arôme correspondant aux roses blanches. Hein. Alors, je dis ça comme ça, hein. C'est peut-être un concurrent de du Kentucky Bird. Sachant que le Kentucky Bird, lui, n'a comme arôme que ces fameuses roses, ces fameuses pétales de rose. J'ai oublié d'ailleurs de vérifier tout à l'heure où elles étaient. J'ai voulu montrer l'ensemble un petit peu. Alors, franchement, dans la fumée, on a vraiment des odeurs très, très aromatiques. Vraiment, ça se sent très agréable. Fruits, sucre. Hein. Fruits et caramel, oui. Hein. Oh, le bourrage, il est raté, je pense. C'est bête. Hein. Je ne sais jamais si j'y vais trop fort, pas assez fort. Il y a des fois, j'ai vraiment tendance à me prendre la tête sur le bourrage. Hein. Bon, c'est vrai que je suis critique envers moi-même. Parce que vraiment, il n'y a rien à faire. Des fois, je rate le bourrage. Des fois, ben voilà, ça va pas. Des fois, ça, c'est quand je réfléchis trop, en fait, à ce que je suis en train de faire. Parce qu'il y a des fois, ben ouais, il y a des fois, je le réussis, quoi. Alors, la morsure du début à l'allumage, ça faisait un petit des picotements là assez importants. C'est pas carrément la grosse morsure avec brûlure presque ou un truc, on a l'impression qu'on a la tronche arrachée. Non, c'est pas ça. Mais il y a une petite incommodation mordante. Voilà. Oui, je sens bien que le bourrage est mal fait. Hein. Alors, on a un goût de tabac qui est très discret, je trouve. Le goût de tabac en lui-même. Hein. On a un goût alcoolisé, parce qu'il y a quand même du brandy dedans.
Et d'ailleurs, ça se sent un peu aussi à froid. Désolé, je mélange tout, hein. Chaud, froid, je fais un peu comme ça me vient. Pas mal, hein? Pas mal du tout. On a une fumée généreuse. Un peu grise. Bon, alors, cette pied de poirier, hein, toujours le même défaut. Hein. C'est à tous mes fumages, ça m'a fait ça. C'est-à-dire que le haut, là, cette partie haut, chauffe beaucoup. Hein. En bas, ça, à partir de là, ça va. Mais ça chauffe. En haut, ça chauffe quand même. Mon premier fumage avait été moins probant quand même, hein, en satisfaction par rapport aux saveurs. Là, on est tranquille. Là, on est vraiment tranquille. Il se laisse apprécier quand même ce tabac parce qu'il est doux, hein, quand même. Voilà, il est doux. Je pense qu'il est plus abordable quand même que le Kentucky Bird. Hein. Même si le Kentucky Bird, je l'avais trouvé bien, hein, mais je l'ai refumé récemment. Et peut-être, ça dépend peut-être de la pipe, je ne sais plus exactement, parce que moi, la vidéo, je l'avais fait il y a longtemps, en 2022, je crois. Et là, ben. Mon dernier essai en off du Kentucky Bird. Bon, c'était bien, mais sans plus. Moins que la première fois. Et à la limite, j'éprouve plus de plaisir à fumer celui-ci. Bon, si seulement j'avais bourré la pipe correctement, ça serait encore mieux. Dans mon bourrage, là, quand j'ai appuyé, là, j'aurais dû me rendre compte, hein. J'en ai fait qu'à ma tête en fait. Alors je sais que pour les puristes, je sais que pour les gens qui ont l'habitude, vraiment qui sont des fumeurs depuis des années et des années, ça doit être énervant, hein, de voir un fumeur de pipe, qui se montre comme ça et puis que qui s'est à peine bourré sa pipe, ou tout au moins une fois sur deux. Mais, bon, moi ça m'énerverait pas, mais peut-être pour certains, je ne sais pas. Désolé, mais il y a des fois, c'est vrai que je suis quand même pas doué pour bourrer la pipe. Pourtant, je connais les principes, je connais les trucs à faire, mais je sais pas, pour mettre ça en application, ben, ça dépend peut-être des tabacs, ça dépend des pipes, je sais pas. Oui, peut-être, c'est sûr qu'il y a certaines coupes qui vont moins bien dans certaines pipes, mais je pense que celui-là, il est bien pour cette pipe-là, hein. Je l'ai bien vu, hein. Je mettais facilement les brins dedans, les brins tombaient facilement à l'intérieur. Non, il faut fumer. Moi, franchement, si vous avez éventuellement l'occasion de voyager en Allemagne, hein, parce que c'est en Allemagne, il se trouve en Allemagne, hein, pas en France, évidemment, ça peut le faire, hein. Vous pouvez vous le prendre. Parce que c'est un aromatique, très aromatique. C'est un aromatique, bah, gourmand, oui, gourmand, légèrement alcoolisé. On a vraiment une odeur très agréable, moi je trouve, en tant que fumeur déjà. Désolé, j'insiste un peu parfois. Mais c'est vrai qu'il faut que je fasse gaffe en plus, parce que ça risque vraiment d'abîmer la pipe si je fais surchauffer. Donc. Je suis conscient de tout ça. Hein. Ça m'agace quand je rate un truc que je fais. Ça m'agace. Alors, fumée, pas incommodante. Là, elle arrive comme ça, tranquille. Elle vient pas me faire mal au nez, aux yeux. Non, elle enveloppe quoi, quasiment à la limite. Hein. Elle est. Je trouve que c'est un tabac quand même qui est relativement moelleux, hein. C'est moelleux, hein. C'est pas sec, c'est pas abrupt, c'est pas agressif,
C'est pas âpre, non, c'est pas mal du tout, hein, quand même. On n'a vraiment pas, absolument pas même, un goût du tabac qui s'impose en bouche. Hein. C'est une infusion caramel. Bon. Caramel, caramel. Je serais bien curieux de voir, de savoir vraiment s'il y a vraiment du caramel dedans. Hein. Comme les arômes dans le tabac à pipe d'ailleurs. Après le brandy, oui, il va quand même y avoir un minimum de choses, quand même, naturelles, j'espère. Outre le tabac en lui-même. Moi, j'aime bien les tabacs comme ça, qui sont très black cavendishé ou cavendishé. J'aime bien, hein. Vraiment, j'aime beaucoup. Oh, on a des odeurs vraiment flatteuses, agréables, gourmandes. Riches aussi, je trouve. Elles sont riches, les odeurs, en arômes. On a un peu de tabac, on a du goût de tabac en bouche, mais il y a le côté alcoolisé, fruité. Alors, alcoolisé en bouche, un peu acidulé, peut-être, légèrement acidulé. Et en plus de ça, dans la fumée, donc mis à part tout ce que j'ai dit avant, il y a aussi un petit peu une connotation fruitée à l'odeur. Hein. Fruit exotique. Bon. Alors, je sais pas si c'est. Goyave, mangue. Peut-être ananas, hein. Alors, bien, hein. Il est bien. Bon, la fumée se dissipe pas mal. J'ai entrouvert la fenêtre qui est derrière moi et j'ai mis mon purificateur d'air. Je ne sais pas si on l'entend. Il y a un léger souffle. Hein. Je n'ai pas mis très fort. Il n'est pas bruyant. Et j'ai déjà essayé le purificateur d'air. Je trouve que c'est pas mal. Hein. Il enlève bien quand même les odeurs. Voyez, maintenant que j'ai réussi à faire quand même consumer les brins envers et contre ce fameux bourrage là, les brins se sont consumés progressivement. Et là, ça va. Hein. Ça va même mieux. Hein, regardez. Ça va tout seul là presque. Ah ouais. Ah. Alors, ah oui, c'est marrant, ces odeurs fruitées, on les a plus là. Au début, c'était plus le caramel. Ouais, les fruits aussi, remarquez. Mais là, j'ai l'impression que les fruits prennent le dessus. C'est bizarre. Avec peut-être aussi cette odeur d'alcool un peu. Je connais pas trop tout ce qui est whisky, scotch, whiskey, brandy, tout ça. Je connais pas trop, mais bon, je connais pas du tout d'ailleurs parce que je n'en bois pas. Alors effectivement, on a vraiment de plus en plus des odeurs dans la fumée qui rappellent les fruits. Un peu acidulé, c'est marrant, hein. Donc moi je pense à la mangue et à l'ananas. De loin, hein. Mais quand même, il y a un peu de ça, vous voyez? On a une très très jolie fumée, hein. Y a pas de doute. Oui, on est bien là. Hein. Il n'y a pas autant de résistance qu'au début du fumage là. Hein. On est à peu près à. Il reste à peu près à la moitié du foyer, un peu moins. Et on est bien. Hein. On est bien, on est bien. Quand je dis la moitié, c'est à vue de nez. Hein. C'est marrant, je viens d'avoir une odeur un peu bizarre là. Je sais pas ce que ça peut être. Voilà, je vous remontre le petit paquet. J'ai écrit derrière la compo. C'est vrai, j'ai oublié la vanille. Mais là, cette odeur enrobante
que j'ai décrite tout à l'heure, il y avait le caramel. Voilà, on a. Ah, mais ça se trouve, c'est les roses blanches que je suis en train de sentir là. Parce que là, on a une odeur un peu nouvelle, j'ai l'impression. Ouais. On a une odeur un peu nouvelle. Alors, il commence à y avoir un peu. Dommage, ça c'est dommage. C'est peut-être aussi parce que c'est pas un aromatique d'une qualité incroyable, hein, d'une grande gamme. Hein. Non, je sais même pas, j'ai pas le prix. Ah ben non, j'ai plus le prix, l'étiquette s'est arrachée. A priori, c'est 9 et quelques euros. Hein. Bon. Ça vient bien d'Allemagne. Hein. Ça se voit sur la petite étiquette. Les Dansk Club, je pense que c'est une bonne série. On m'avait conseillé le Burgundy, je crois. Il me semble le Burgundy, oui. On me l'avait conseillé en commentaire. Bon. Il existe hein, dans la civette que je suis allé visiter, là. Bon. Il y en a beaucoup, hein. Mais là, franchement, je vois rien d'autre qu'on pourrait sentir là maintenant tout de suite que, mis à part un tant soit peu quand même les autres arômes que j'ai cités tout à l'heure, les roses blanches. Hein. C'est particulier. Hein. Ah, c'est particulier, mais pas négativement. Hein. C'est original. Hein, on ne trouve pas. Les roses blanches dans tous les tabacs, hein, loin de là, il doit y avoir que lui en rose. Si ça se trouve, bah, sur le marché, il doit y avoir que ces deux-là, Kentucky Bird et lui. Et puis surtout, c'est quand même un tabac où il y a quand même cinq sortes d'arômes différents. Hein? Rose blanche, vanille, brandy, caramel, crème et fruits tropicaux, hein, fruits exotiques. Bon. Alors, moi j'aime bien, je suis satisfait, il est agréable. En fait, on a beau essayer des tabacs de différentes gammes, on a beau les essayer, mais malgré tout, on peut toujours apprécier davantage certains tabacs de moyenne gamme que certains tabacs de gamme, hein, ça dépend des goûts hein, aussi. Hein. Ça dépend des goûts, ça dépend aussi peut-être de la force du tabac. Non, on peut. Bon, tout n'est pas comparable, mais. Moi, je pense être assez quand même éclectique en cette matière-là, comme dans d'autres. Et puis, hein, il y a quelques semaines, j'ai acheté 30 grammes de Clan. On ne peut pas dire que ce soit un tabac. Extraordinaire. Mais j'ai quand même envie de l'essayer parce que j'ai envie de vous le montrer. Il y a des gens qui peuvent l'apprécier. Je sais qu'il y a des gens qui l'apprécient. Hein. Alors, je crois que c'est fini. Donc, à ce tabac, moi, je lui mettrais un petit 16. Un petit 16. Parce que bon, il y a quand même un tongue bite hein, au début, à l'allumage, au début du fumage, même si encore une fois ce tongue bite n'est pas très puissant. Ouais, je dirais, allez, ouais, trop, peut-être 2, 3 sur 10 au plus. Hein. Que les arômes sont très agréables, certes, mais qu'il y en a trop, moi je trouve, à la limite. Il y en a trop. La vanille avec les fruits exotiques, bon, c'est un mélange un peu bizarre. Il y en a trop. Et du coup, on a du mal un petit peu vraiment à les distinguer. Même si on sent des saveurs générales, à peu près, on a quand même du mal à distinguer, à dire, ah oui, tiens, ça c'est le caramel, ça c'est. Bon, on a du mal. Je ne dis pas qu'on n'y arrive pas, mais quand même, on a du mal. Pas parce que j'ai fumé meilleur aussi. Donc, je lui mets 16. Sur l'échelle de mes goûts, mais c'est un tabac que je vous conseille quand même vraiment parce qu'il est agréable et franchement, voilà,
Vous ne le trouverez pas en France, c'est sûr, mais à moins d'avoir du bol. Hein. Enfin, je sais pas, dans une civette, en tout cas, à moins d'avoir du bol, je ne vois pas trop comment. Parce qu'ils ne sont pas en vente officiellement, les Dansk Club. Mais franchement, 10 euros, pour 10 euros en Allemagne, bah, passer là-bas, vous pourrez. Hein. Vous pourrez, oui, vous pourrez vous en contenter. Donc voilà, beaucoup de verbiage quand même pour pas grand-chose. Mais simplement, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère quand même que cette vidéo un peu chaotique vous aura plu. À bientôt.